Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessés. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des STU, et mon ami. Sandoval a passé... avait passé ces 6 dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas... C'est cool ! Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort... Ok, ça fait 3000 fois que je le vois, il n'y a pas besoin. Campagne. J'ai novice, c'est-ti. Vous n'y jamais visité. Aïe, pas. J'ai dit le changement, j'ai plus fait vendre. Formation quoi, Corrie? Je
Donc je suis là. Il va avoir des filles, de la nestie, mon homme. On est parti. Attachez vos ceintures. La Santa Blanca. Et pourquoi faisons-nous la charité? La Santa Blanca. Pourquoi je me suis mis assis là, c'est là, là. La Santa Blanca y croit, et dans sa bienveillance, elle sait que nous pouvons façonner le monde où nous vivons. La solution, c'est de donner, et la Santa Blanca donne à la Bolivie. Mais non, viens ici. Ferme-moi la porte. Oh oui. Je dois reconnaître les marches. Je vais avec ton téléphone. On va visiter. Oh, ici DJ Perico, on passe de la zig à vous remuer le trou de balle. Interruption, moi de la musique là-dedans.
audio, musique. Si on file ces marchandises aux rebelles, on sera dans leur petit papier. Prends la bécane. Avancez, je vous rattrape. Non. Tu fouilles pas là-dedans. C'est un ami, ça. Tu fouilles pas là-dedans. Joue avec ton téléphone. Oui. Hey les gars, j'en ai chauffé une de même, moi, dans IRL. J'ai pris des balles. Oui.
Ma moto. Avancez sans moi. Des bonnes lignes. On va aller chercher l'hélico. Oui. T'as pas brisé ça. Donne. Viens te donner, je suis qu'un robot. Mais vite. Donne. C'est pas grave. Va jouer. Va jouer avec ton téléphone. Ah, il faut. On est au calme. Ok, c'était les de la police avec je crois. Et même qu'on fait. Bien sûr. Mmh.
Tu fais quoi de deux? Tu éclaires le plancher? On va atterrir avec Royce. Prenez-vous le temps. Il fait 30 degrés. Tu le tiens, éradiquer toute menace. Jouer RP. Ressa. Ressa. Ok. Suivez-moi. Prendre un véhicule civil. Minimize. Soldats du cartel droit devant. Soit on les contourne, soit on les attaque de front. Venez.
bon, on y va. Vous allez voir leur voiture, ce que je dois faire. Ça, c'est pas RP. Tu m'en cucu. Oups, ça a grippé. Les sicarios du coin. Il faudrait pas être à leur place. Qu'est-ce qu'il prend le plus plan toi? C'est bon. Frag lancé.
C'est parti. Tiens, on va chauffer mon café. Baissez vos armes. Inutile de leur foutre la trouille. Tout le monde est prêt? Feu! Bien sûr!
rien voir venir. Fixez vos silencieux. Déploie le drone. Je vois une deuxième cible. Je me mets en position. Bon, c'est bon. Postez-vous là-bas. Bien sûr. J'ai un sicario par là. Le Mirador. Sortir bien. On grille et recule. Allez là-bas. Cible désignée, c'est quand tu veux.
Cible marquée. Barrez à l'attaque. Attention les dieux. Je crois qu'on les a énervés. Carajo, nos están atacando, cúbranse. Ils savent qu'on est là. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaru. T'amuses pas avec les détenus. T'es pas seul, le fils de pute. C'était bien parti pour ta... Oh, j'ai des messages. Écoute, t'es bonne. Demain, tu sors ça, mon pote. Lui, je peux l'avoir facilement. Je peux le bourgoire. Allez, on avance. Hé,
Ennemi dans la zone, en position de tir. Qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Mobile vers position. À ton signal. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un à récupérer la marchandise. L'ennemi est actif dans le secteur. Ok, j'y vais. Je suis prêt, quand tu veux. Sicario en visuel. Fais voir où ils sont. Là, dans le Mirador. C'est de la tôle, là. Ouais, je peux pas grimper.
Mobile vers position. À ton signal. Repérer un autre ennemi. Ok, j'y vais. Je suis prêt, quand tu veux. Ennemi à terre. Une cible avec rejoins la position. Pas rien tiré. Cible perdue, je répète, cible perdue. C'est bon. As-tu vu mes souliers bleus? Quand ils sont là, je vais te chercher.
Santos ont retrouvé le fugitif dans le village de Kulta. Quel joli nom pour une ville. Ils le protégeaient. Si. C'est un village bien connu pour servir de refuge aux rebelles. Ces rebelles sont vraiment bornés. Tue-les tous. Tout le village. Fais s'abattre le courroux divin sur Kulta. Raye-le de la face du monde. Claro. Présence ennemie dans la zone. Deux secondes, je prends le volant. C'est bon, on peut y aller. Allez là-bas. Bien reçu. Coopérer y todo saldrá bien. Pinche cabrón. Ok, me duele, me duele, espérate. Ok, du con, tu réponds. Silencio, marchez. Pinche cabrón. Espérate, cabrón. Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain. Qu'est-ce que tu veux? Amaru, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Pas de problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune, il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable, il y a beaucoup trop en jeu. On y va. Attendez, il faut qu'on resserre. Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru.
Prêt ? Feu à volonté. Bien sûr. La moto est pour moi. Portez, je vous rejoins. Thank you.
c'est Willy. Il a un feu. Un feu. Votre grand-père, je crée même un feu. Alors qu'est-ce que vous avez fait, je t'apprends pas, Patrick. C'est qui, toi? C'est qui? C'est qui? On va parler dans des camions.
Comment ça marche, tabarnak? C'est pas compliqué! Hey, c'est pas la même la flotte.
m'étonne d'avoir pas de drive. Thank you.
Baissez vos armes, pas la peine de les effrayer. Il y a une patrouille de l'Unidad qui rapplique. On se retrouve plus tard. Attachez vos ceintures. Thank you.
plombe ces fils de pute. Deux à cigarette à côté du terrain de foot. Voler un hélico, ça vous tente? Celui-là est bourré de provisions qui pourraient servir aux rebelles. Mon chat. C'est l'hélico ici, les rebelles passent en prendre. Dégagez, on se retrouve là-bas.
Hey, rebelle. Oh, je suis rebelle, man. Un doyen des rebelles nommé Amaru a été capturé par le cartel. Faites cracher son emplacement à un lieutenant de la Santa Blanca et allez l'extraire. Ouais, ouais, ouais. On descend. Je roule de même dans la vraie vie, moi. Faut savoir que... On arrive à Atomio Farm. Rappelez-vous, la plupart de ces sicarios sont des anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amaru se prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. Drone lancé. J'en vois un autre. Je me mets en position. Pareil à tirer. C'est moi qui pilote.
préférerais quand même conduire. Ouais, ouais. Comment va ? Attachez vos ceintures, c'est parti. J'ai une caisse d'armement visuelle. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant Amaru. Mais je n'ai pas vu Yuri Hippolyto depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village de chaque camp jusqu'à trouver la piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose.
fouiller la province, pirater leur système, interroger les lieutenants ennemis, parler aux civils. Faites ce qu'il faut. On va passer le coin à l'heure. Dossier de Bowman sur Yuri et Polito en cours de transfert. C'est le dossier sur la Yuri et El Polito. Ils font partie intégrante de la filière sécurité du cartel. Pensez à consulter le briefing de Bowman sur leur hiérarchie. Il y avait 4 personnes présentes la nuit où l'agent des stupes Ricky Sandoval a été assassiné. El Sueño, chef du cartel de la Santa Blanca, Ricky, et les 2 autres, c'était La Yuri et El Polito. Yuri et Polito se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas. Lui était interne dans ce bout de paradis, et elle était infirmière. Ça a été le coup de foudre. Dès le premier regard, ils étaient inséparables. L'amour avec un grand A. Un jour, un bouchon nommé La Plaga est arrivé aux urgences, criblé de balles. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais Yuri et Polito ont réussi à le sauver. La Plaga, reconnaissant, les a inondés de cadeaux, des invitations aux soirées les plus sélectes et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait de Yuri et Polito le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme, bien sûr. Quand Yuri et Polito connaissent l'anatomie humaine, ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaqua. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, la Yuri et El Polito le font parler. Ils brisent les gens. Comme je l'ai dit, il y avait 4 personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Sueño, Ricky, Yuri et Polito. Ils ont gardé Ricky en vie, pendant que Sueño le torturait. Non-stop, pendant 47 heures d'affilée. Ils ont brisé Ricky Sandoval, et Sueño l'a exécuté. Le responsable de la sécurité, c'est Elmoro. Le mur, garde du corps personnel et la vie en France. Del Sueño. Le petit frère d'Elmoro, c'est La Plaga. Une belle ordure. Très actif sur les réseaux sociaux. C'est le sicario en chef du cartel. On est parti. Si on veut Sueño, il va falloir remonter progressivement jusqu'à lui en commençant par Yuri et Polito. On récupère les intels, on localise les cibles, on les élimine. Oh, a snipe. Modifier.
Déverrouillé. Un mec. J'avais pas vu un truc pareil depuis le Moyen-Orient. Des sacs de sable, des barbelés, des miroirs. Les rebelles ont l'air de bien faire chier à Santa Blanca. Ces raclures du cartel se doutaient pas qu'ils allaient scoltiner des snipers et des explosifs. Le karma est vraiment le roi des coups de pute. Pas de raison qu'on laisse ses ravitaillements au cartel. On va plutôt voler l'avion cargo et filer sa cargaison aux rebelles. Ça marche, on y va.
Richard. Neutraliser. Qui est là-bas? Ça glisse trop, man. Je vais les mitrailler. Thank you.
Ne tirez pas au jugé. Pas question de toucher les civils. Je déploie le drone. Ouais, c'est bon. J'ai perdu le visuel. Des limites visibles là, recule. À aligner ces fumiers. Localiser le garage où Polito plonge sa voiture de sport. On marque la bagnole et le GPS avec. Peut-être que ça nous dira où aller chercher sa petite copine à lui. Rejoignent notre dernière position.
posición conocida del enemigo, comenzando en búsqueda ahora. C'est bon ? Ça s'est joué un poil de cul. Nicolas, on n'a aucune chance de redresser ce pays. Nicolas,